Eh bien, salut tout le monde, c'est CMSB et aujourd'hui on se retrouve sur Subnautica Bello Zero. Alors, j'ai acheté le jeu il y a très longtemps et je joue enfin un jeu. D'ailleurs, j'espère que j'ai pas encore fait la même erreur. Ok, non, c'est bon, j'ai bien... Ok. Avec... il y avait le chat du stream par accident. Mais on va pouvoir enfin jouer à Subnautica Bello Zero. Alors, déjà... mes FPS sont bloqués à 60 FPS parce que ma carte graphique n'est pas vraiment assez puissante pour ce jeu, ce qui est un petit peu dommage. Alors, j'ai jamais vraiment joué au jeu, donc je vais pouvoir enfin découvrir ce jeu. Alors, par contre, il est en Early Access, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, il y aura de plus en plus de trucs, de plus en plus qu'on jouera, jusqu'à temps qu'on arrive à la fin. Donc déjà, on peut voir sur le menu qu'il est absolument magnifique avec... le son du jeu qui est enfin le jeu qui est juste trop bien. D'ailleurs, je vais baisser l'audio voilà du jeu parce que c'est quand même un petit peu fort, je trouve. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Et sur ce, on va commencer une nouvelle partie et on va être en mode survival. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que tout charge. Jeu que j'ai installé. Ouh, cinématique. Par contre, le jeu est en anglais, je viens juste de remarquer, donc du coup, je suis complètement gros débile. Bon, bah tant pis, le jeu sera en anglais, vous vous débrouillerez, je sais pas. ça va être un problème pour vous, mais... mes problèmes, c'est que vu que le jeu est toujours en alpha, je crois pas vraiment qu'il y aura vraiment de français. Ouh. Oh. Oh là, qu'est-ce qui se passe? What? I repeat, immediate evacuation of sector zero to space station Vespa. Ok, donc apparemment il faut que j'évacue de mon truc. Ok, cool. Alors par contre la sensibilité, merci, mais je la mets à 1. Sam, what's happening? Ah ok, God damn it. Ah, d'ailleurs ça c'est même pas mal bien configuré. Donc apparemment il y a un problème de météore. Jeff, do you read? I've been guided it. I translated the wake-up command. Your timing sucks. We're evacuating. Ah ok. His last GPS check-in was at the cave entrance. I'm going up there. Roger that. Don't stay any longer than you need to. Bon, probablement il y a un problème de météore. Et la dernière fois que notre pote Jeff, était à la cave et puis il y a eu un problème de statique, alors bon. Alors alors le jeu est absolument magnifique. Holy balls. Donc, ouais. Et on doit normalement pas rester le plus long, encore plus là-dedans, donc bon. Bon, en tout cas, déjà, le jeu est absolument mais magnifique. D'ailleurs, la... Jesus Christ. La sensibilité là-dedans. Oh. Bon, alors, soit on va là, soit on va là. Normalement, je crois qu'on devrait aller dans la cave pour continuer l'histoire. Ouais, de toute façon, on peut même pas aller dedans, alors bon. D'ailleurs, on peut même pas... C'est à moi où je peux pas... Ok, c'est l'un des jeux étranges où je peux pas du tout. M'accroupir. Ce qui est très étrange. Alors, cet épisode sera hyper court. Et. Cette fleur est. Oh! Jesus Christ! Bonjour! Ok, cool. Ils vont me regarder aussi? Oh! Évidemment que aussi, ils vont me regarder. Je préfère courir. Run. Bon, du coup, cet épisode sera très court parce que c'est le début de l'aventure. Et parce que si j'ai pas beaucoup de temps, donc bon. Oh la vache, ce bleu est magnifique. Oh non. Pas encore. Oh, je me souviens du premier jeu. Le premier... J'aime pas ça. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, bon bah... Pff,
tant pis. Magnifique cave. Alors par contre, le jeu est en qualité low, du coup, parce que vu que, bah, encore une fois, ma graphique n'est pas vraiment assez puissante pour enregistrer et en même temps, bah, du coup, jouer à un 60 FPS. Ok, donc il y a une voix qui nous dit Jeff, qui dit Jeff m'a réveillé et du coup maintenant il est parti. Oh, café. Je peux avoir du café? Please. Évidemment, il y a un chat qui me saoule qui veut sortir. Et donc il en prend du temps à faire le café hein, dans le jeu. Ah! No way, on peut vraiment avoir du café dès le début du jeu? Oh! What the... Body heat? What? Body heat. Ah, ça, c'est nouveau, ça. Café americano. Ok, donc, moins de... d'eau. Mais body heat plus 15. Qu'est-ce que c'est que body heat? En gros, ça, c'est la chaleur dans notre corps, mais c'est complètement nouveau, ça. Oh! Cette information est dégâts routine to Dalet's Sanctuary. What the hell? Café. Jeff isn't here. He's Sam. We woke something up. I spoke to it. Parlez à lui. S'il te plaît, va dans le ship, enfin dans la fusée pour partir. Par contre, moi, je veux café, moi. Voilà, merci. Ok, bon, bah, apparemment, on doit retourner là où on était. Wow! Ah! Bon, bah, apparemment, je suis obligé d'aller là. Cool. D'ailleurs, il y avait un autre... endroit, mais j'ai pas pu y aller parce que voilà, donc moi je peux pas aller par là. What? Attends, y'a quelqu'un. What the hell? Y'a mon truc apparemment qui est parti. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Ok, 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 faut que je me barre, il faut que je me barre, il faut que je me barre, il faut que je me barre. Holy shit. Donc apparemment il y a quelqu'un qui s'est barré avec notre véhicule qui permet d'aller dans l'espace. Donc cool, maintenant on est bloqué là-dedans. Il y a des météorites qui tombent dans tous les sens. Il y a notre base. Ok, cool, notre base vient de... Oh, c'est tapé une avalanche. Oh. Oh. Oh non. Ok, bon bah je vais devoir aller là-dedans. Ok, go 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 go. Ok, donc on est en mode... Oh non, on est en mode survie. Ok, ok, je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe, mais à l'aide. Oh là là, ce jeu est tellement beau. Je vais pas tomber à court d'oxygène là. Je vais pas tomber à court d'oxygène là. Oh mon dieu, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui se passe là-haut. Enfin, je sais qu'il y a des météorites partout, mais oh la vache. Oh, poisson! 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 Battlefish! Battlefish! Voilà, merci. Ah ok, bon bah apparemment on va avoir un life pod. Ah! Piglin! Oh! Ouais! J'ai un pingouin! Ok, bon bah apparemment on a encore perdu communication avec Sam. Il y a un life pod qui va tomber. Quel bazar! Ouh! Le nouveau poisson par défaut! Voilà, l'icône! On va avoir beaucoup de nourriture, dis donc. Pauvre poisson.
Qu'est-ce que c'est? C'est un autre banana fish, ça? Non, c'est un normal. Voilà notre life pod. Oui, vite, dans le life pod, dans le life pod, vite. Ah! Interbase. Ouf. Ok, je suis là-dedans. Ça c'est vide, évidemment. Yeet. Alors, évidemment, je jouais beaucoup à Subnautica, donc du coup, je sais comment les trucs marchent là-dedans. Mais évidemment, c'est tout nouveau, donc du coup, je sais pas qu'est-ce qui peut m'attendre dans ce jeu. Waouh. Notre life pod est beaucoup plus étrange, je trouve. Voilà, donc déjà, on va se donner la nourriture parce que niveau nourriture, on est vraiment low. Voilà. Cold and spongy. Cooked Arctic Peeper. Ok, donc ça, Peeper Arctic. Ok, cool. Ok, bon, on va pas prendre de boomerang. Donc, on va déjà voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans ce jeu. Parce qu'évidemment, il y a les crafts qui doivent être quand même un peu différents. Alors, ressources. Ok, classique. Ok, sauf que là, c'est des creep vines. Ok. Ok, donc cette fois, il faut des ribbon plants. Ok. Ok, bon, ça c'est la nourriture, normal. Facility, standard tank, fins, survival knife, le plus important, le scanner, le flashlight, le air glider, puis waterproof locker. Ok. Au moins, j'ai envie de dire, les gens, après ce gros bazar d'introduction, what the hell is that? Ok. Bon, on va juste prendre des matériaux si j'arrive à trouver des matériaux. Ok, cool. Ce serait sympa parce que moi il me faudrait vraiment un tank, ce serait vraiment très cool. Parce que c'est vrai que ça va être un petit peu galère sans tank. Oh. Du quartz. What the hell is that? Ok, je crois pas que ça ce soit très très passif ça par contre, donc du coup. Pareil. Ah, apparemment il y a des trucs là-bas, donc bon, bah, je vais. Viens à toi, viens à toi, viens à toi, viens à toi. Ah. Oh. Enfin, je sais pas si c'est dangereux ou pas ce truc. Ok, go, par. Ok, sinon c'est bon, ça va, c'est pas très dangereux. Ouf, le jeu lag un peu. Encore plus de ces trucs chelous là qui me font absolument pas du tout peur. Creep Vine, ok, c'est ça les Creep Vine. Que j'aille à la triple crate du coup. Bon, pingouin. Attends, ne me dis pas que je peux utiliser ça en tant que surf. Oh non. Pour utiliser à moitié en tant que surfboard. Ça serait marrant. J'aime pas du tout ce bruit. Ok, donc. Wow! Il y a un truc qui vient d'exploser. J'ai pas vu exactement qu'est-ce que c'était. Mais bon. PDA, donne-moi ça, donne-moi un kit. Oh, le kit, il est tout nouveau, il est tout beau. Ok, un fuse, de l'eau, et la balise. Et la balise, c'est très important, je pense. Enfin, pour se repérer, en tout cas. Bon, en tout cas, c'était pas mal, le petit drop. J'aime pas du tout ce bruit, encore une fois. Ok, je crois que j'ai tout. Oupa, il y a encore ça. Ok, j'ai pas du tout envie de continuer en bas, mais bon. Je veux bien prendre ça, par contre.
Voilà, merci. De la nourriture. De l'eau. Du quartz. Ah, vite, monte. T'es long. Voilà. Bon, je pense qu'on devrait plutôt retourner à la base parce qu'on a quand même pas mal de trucs. Ouh la vache, ah oui, on a beaucoup de trucs même. Et il fait nuit, donc ouais, vaut mieux qu'on retourne vite fait à la base. Oh, par contre, ça c'est relou, on voit que dalle. Bah tu vas me dire, on est quand même à moitié en Antarctique là. Antarctique ou je sais pas là. Par contre, le truc, c'est que... Je me demande comment est-ce qu'on survit avec la température. Ouh, j'ai réussi à monter ici. Cool. Sauf que ça me sert un petit peu à rien et ouh, la géométrie est un petit peu buggée ici. Yate. Nourriture. De l'eau. De l'eau. Merci. Et on va dans notre life food. Ok, parfait. Donc on va pouvoir mettre tout ça. Hop là. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ok, je crois qu'il me faut... Oh non, il faut que j'aille voir le crime vine. Par contre, comment dire que c'est un petit peu la nuit? D'ailleurs, il ne reste plus que 5 minutes pour enregistrer la vidéo parce que j'ai pas beaucoup de temps. Voilà. J'ai bien peur qu'on va devoir retourner dans ce saloperie de. D'endroit chelou. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Ouh, magnifique musique. Ok, donc les ribbon plants, c'est juste ici. Ce jeu est absolument magnifique. Ok, par contre là j'ai plus beaucoup d'oxygène, donc je devrais quand même un peu remonter. Il me faut vraiment des creep vines. Et derrière c'est un petit peu l'orage là-dedans, où je crois que c'est plutôt un bug visuel, mais bon. Panneaux solaires. D'ailleurs on passe d'ailleurs directement, on passe à travers les panneaux solaires. Alors, maintenant que j'ai plus de trucs, donc on peut faire des batteries, mais ça sert un petit peu à rien pour l'instant. Copper wiring. Ouais, il me faut du fiber mesh et tout. Fiber mesh, comment ça se craft? Ok, du cream vine, donc du coup. Ok, donc c'est un petit peu le bazar parce qu'il me faut ça. Oh là là! On peut se crafter un scanner, ce qui est. Plutôt pratique quand même. Hop là, premier outil. Hop là, le bon vieux scanner. Ah, ça fait le mien. Sinon le reste ça va pas trop changer je trouve. Ok, donc on va partir à moitié dans une expédition, donc ah. L'eau désinfectée donne plus d'eau, apparemment. Intéressant. Que l'eau filtrée. Et je vais prendre un Arctic Pepper. Un Boomerang Pepper. Pour faire de la nourriture. Puis après, on est prêt pour une petite expédition. C'est vrai que par contre, avec un Seaglade, ce serait tellement plus simple. Et c'est vrai que j'ai retiré la balise comme un gros débile, donc du coup, il faudrait que j'aille... Ça, c'est pas du creep vine. Ah non. Okay, bon, j'ai la flemme de. Ok, bon bah. Complete fail. Du sel. Titane. C'est monkey. Ok, il veut quelque chose. Je devrais me barrer. Qu'est-ce qu'il veut lui?
Ok, donc apparemment ça fait rien, mais c'est pas sûr, donc on devrait faire attention. J'ai presque plus d'oxygène. Ah bon, là ça doit être la Grapevine, non? Oui. Yeet. Ok, c'est ça le Grapevine. Ok, bon bah. On est presque bon. Il faut juste du Grapevine machin là. Que j'arrive pas à trouver derrière. Oxygène plant. Ouh! Une plante d'oxygène! Hell yeah! Violet bleu. Enfin, violet beau. Intéressant. Ok, bon, on peut pas utiliser ça malheureusement. Spinnerfish! Très intéressant. Ouais, bon, c'est bien gentil, j'arrive pas à retrouver par contre. Ok, et il est l'heure de. Pour moi de. Ouh la vache, Sea Monkey Nest. Il y a même des fragments de Sea Glide. Ok, bon, par contre, là, il faut vraiment que je monte à leur surface. Et on va s'arrêter la vidéo là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera la prochaine fois si je. Meurs pas là, s'il te plaît, meurs pas, ok merci. On se retrouve pour la prochaine fois et bye tout le monde.